Acknowledge me. Les amis, un air de changement est à nos portes. Et oui, les amis, re-bienvenue sur RMBO. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Première chose, first thing first, je dois vous remercier. On a enfin topé les 700 abonnés. Let's go! It's a celebration time. Et aujourd'hui, je vous amène une vidéo qui porte sur les débuts de Monday Night Raw sur Netflix. On sait que Raw s'en va sur Netflix à partir du 4 janvier 2025, si ma mémoire est bonne. Et moi, étant un consommateur de lutte, à chaque jour de ma vie, j'écoute toutes les Monday Night Raw, dont celui de ce soir. J'ai bien hâte de l'écouter, mais j'avais envie de me pencher sur les débuts de Raw sur Netflix et les changements qu'on pourrait voir à Monday Night Raw quand ils vont faire le saut sur le diffuseur numéro 1 au monde, Netflix. La première chose que je pense vraiment qu'on va voir à Raw sur Netflix, c'est un brand mix. Je m'explique, mais je crois vraiment que plusieurs superstars de SmackDown vont aller à Raw pour booster les codes d'écoute de Monday Night Raw. On peut peut-être penser à Roman Reigns, à un Cody Rhodes, à un Gunther. Ces trois noms-là sont des noms de SmackDown. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'avec les débuts sur Netflix, on va vraiment faire le contraire d'un brand split. On va faire un brand fusion. Donc, il n'y aura plus un écurie de SmackDown et un écurie de Raw. On va simplement avoir une grosse écurie. Et à Monday Night Raw, le but de Triple H va être de nous donner la meilleure carte possible. Il y a carte blanche, il n'y a aucune restriction. Donne-nous un bon show. Et si on parle d'un écurie jumelée, de l'union entre SmackDown et Raw, eh bien, mon deuxième point va être qu'il va y avoir une vague de congédiements à la WWE. C'est normal, il faut libérer des gens. Honnêtement, avec l'union des deux brands, il y a des lutteurs qui n'auront plus du tout de temps d'écran. Et on a déjà commencé à voir, bon, j'appellerais pas ça une vague, j'appellerais peut-être ça une petite flaque d'eau de congédiement. On en a vu trois, dont Indy Hartwell et Baron Corbin. Et selon moi, ça va continuer puisque, comme je vous disais, la WWE fait vraiment un gros écurie ensemble et veut pas toutes les têtes que ça fait des mois qu'on n'a pas vu à nos télévisions. Eh bien là, la compétition pour être dans un show va être encore plus féroce. Donc une vague de congédiements est selon moi à l'horizon à la WWE. Le troisième changement qu'on va fort probablement voir à Netflix, eh bien, il y a plusieurs personnes qui en parlent. C'est vraiment tout ce qui concerne le sang, les sacres à l'écran, les moments qui ne seront plus PG. Est-ce qu'on va être capable d'aller un petit peu plus edgy? Je parle pas de faire des scènes osées ou tout ça, mais est-ce qu'on va laisser une plus grande liberté au micro? Est-ce qu'on va écrire des lignes un peu plus provocatrices? Est-ce qu'on va arrêter de vouloir bien paraître pour le jeune public? Et est-ce qu'on va se concentrer à faire un show qui va tout simplement être captivant pour les plus vieux? Peut-être nous amener des petites glimpses du passé, qui sait, peut-être des throwbacks, peut-être plus de sang, peut-être plus de match hardcore, qui sait? Mais selon moi, c'est certain que Monday Night Raw va prendre un virage beaucoup plus vieux, ou devrais-je dire, beaucoup plus adulte. Donc ça aussi, ça va être vraiment intéressant de voir ça en janvier 2025. Quatrième questionnement par rapport à l'arrivée de Raw sur Netflix, c'est est-ce qu'on va voir un nouveau titre à la WWE? J'ai vu une rumeur, ou peut-être c'est même pas une rumeur, c'est peut-être juste un fan qui a posté ça et qui trouvait qu'il y avait une bonne idée, mais regardez cette ceinture-là. Honnêtement, amener le titre mondial de Netflix
Selon moi, c'est une mauvaise idée. On voit AEW avoir le titre TBS et un autre titre. Bref, des titres qui ont le nom de station de télévision. Honnêtement, quelle mauvaise idée. J'espère vraiment pas que ça va se passer. On se dénature complètement. On enlève le volet lutte à tout ce qui est la WWE. Et honnêtement, amener un titre Netflix, selon moi, ça va juste être de la merde. Non seulement il sera pas plus relevant que ton titre mondial, mais honnêtement, je pense vraiment pas qu'il va être pris au sérieux par les fans et on risque de se retrouver avec un titre 24/7 2.0. Depuis quelques semaines, Raw est passé à 2 heures et si on compte les pauses, on est proche du 1h30 d'action. On va pas se mentir, la réduction de 3 à 2 heures a été très intéressante. Je pense qu'il n'y a aucun fan de lutte qui s'est plaint d'avoir moins de Monday Night Raw, mais le Monday Night Raw était beaucoup plus compact. On n'avait pas d'histoire qui servait à rien. Honnêtement, je suis en amour avec la formule 2 heures. Et là, je pense que tout ça est un test pour que, éventuellement, à l'arrivée à Netflix, on fasse un bon 2 heures, mais on se rappelle, sur Netflix, si on a l'abonnement payant, il n'y aura pas de pause publicitaire. Donc, est-ce qu'on va avoir un 1h30 de bonne lutte ou est-ce qu'on va avoir un show de 2h sans pause? Chop, chop, chop! Honnêtement, c'est une super bonne question que je n'ai pas la réponse. Mais combien de temps sera Raw sur Netflix? Je peux pas croire qu'ils vont faire un 3 heures de show sans publicité. C'est beaucoup trop long. Il y aurait beaucoup trop de moments peu importants dans le show. Il faut garder ça captivant, relevant, du début à la fin. Et selon moi, garder ça à 2 heures, pas de pause, ce serait la solution idéale. Et finalement, avec l'arrivée sur Netflix, ils vont vouloir attirer les yeux du monde sur eux. Les ratings doivent être hauts. Donc selon moi, la première de Raw sur Netflix en janvier va marquer plusieurs retours ainsi que le retour de légende. C'est connu, quand tu veux un gros rating, amène des têtes fortes, que ce soit du présent ou du passé. Eh bien, on peut penser peut-être au retour éventuel de CM Punk, de Drew McIntyre. Bon, on en parlait tous ceux de SmackDown, donc Roman, Gunther, le Bloodline, Cody. On peut peut-être penser au retour de Logan Paul aussi, qu'on l'aime ou non, c'est une grosse star. Mais je pense aussi à des légendes, peut-être une apparition de l'Undertaker, qui sait. Et il faut penser au GOAT John Cena, qui va fort probablement être là pour la première sur Netflix. Honnêtement, ce show-là a le potentiel de faire dans les dizaines de millions de visionnements lors de ses débuts. Donc, pour finaliser mon hypothèse, je crois vraiment que tout au long de cette union-là entre Netflix et la WWE, on va voir plusieurs retours de légende et surtout des retours qui vont nous faire briller. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Raw sur Netflix, ça s'en vient en janvier et on va être là, les chums. Oh my god, qu'est-ce que je fais de ma vie, man?